Hello les gamers, c'est Yonix. Attendez, désolé. Alors aujourd'hui, je suis vraiment content de faire cette vidéo spéciale 400 abonnés. Alors on va commencer par du Call of Duty MW3, voilà. Et on va terminer par du BO2. Et à la fin, quelques messages d'abonnés et amis pour mes spéciales 400 abonnés, voilà. Alors, oui, je sais, du MW3, j'avais, on va dire, promis de plus en faire sur ma chaîne. Bon, je vous l'avouerai, MW3 me manque. Oui, j'ai bien dit, me manque. Pourquoi? Ben, exceptionnellement, parce que BO2 me gonfle. Voilà. Parce que BO2, avec les problèmes de connexion, je trouve que c'est un peu trop abusé par rapport à MW3. Ah, pardon. Là, j'ai un peu gouré la manière parce que, alors là, j'ai pas joué depuis un bail MW3. Ça devait ramener à 2, 3 ou même 5 mois. J'ai jamais rejoué. Ah non, 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 non. Je me rappelle que il y avait pas beaucoup de choses par rapport à Black Ops 2. Côté équipement, bien sûr. Parce que. Et je sais aussi que ces putains de Predators, ils sont vraiment durs à éviter sur BO2. Sur MW3. Du coup, bah, on va jouer quand même. Parce que je vais vous dire, j'en ai rien à battre si je me fais tuer. Et en plus, comme vous voyez, j'ai créé un autre compte qui s'appelle YouTube Yonix. Si quelqu'un veut me rajouter, il n'y a pas de problème. Normalement, cette vidéo, la spéciale 400 abonnés, si je compte bien, devrait durer à peu près 1 heure. Parce que je vais faire 20 minutes de. Non, on va dire 10 ou non, 15 minutes. 15 minutes de MW3. Après, on va passer sur le zombie Black Ops 1. Alors, normalement, ça devrait durer un peu plus longtemps. Et puis je sais pas comment ça va se passer, mais j'espère que vous allez bien apprécier, voilà. Désolé à celui qui m'a proposé du Slender, oui, il y avait un Slender au jour, enfin une sorte de Slender. Mais problème c'est que il n'était pas là on va dire le matin où j'ai fait ma vidéo, enfin ce matin quoi, parce que je peux pas dire le matin où j'ai fait ma vidéo puisque je suis en train de la faire. Du coup, voilà. Là, j'attends des messages de tous mes abonnés et amis. Parce que j'ai reçu que celui de deux potes. Je vous dirai pas lesquels. Enfin, une amie et un pote, voilà. Et je les remercie. Là, ce que j'attends, c'est le message de QG. Oui, QG de la DZH. Après, il y a le message de. Attendez 3 secondes, j'ai juste parlé 3 secondes à Rémi. Oui, je sais, en pleine vidéo, oui, je sais, je suis quelqu'un qui n'aime pas improviser. Alors, par contre, vous allez pas l'entendre sûrement. Alors, Rémi, là, tu passes en vidéo 3 secondes. C'était juste pour te demander vite fait si tu peux pas me faire un message pour les 400 abonnés. Parce que toi, tu le sais pas que je fais la vidéo aujourd'hui et elle sera uploadée ce soir. Voilà. Alors, par contre, là, on va pas t'entendre. C'est juste qu'on va m'entendre moi parler comme un idiot tout seul. Voilà. Bon, mais à tout à l'heure. Allez, à plus. Ben merci à Rémi d'avoir parlé. ah oui, pardon. J'avais oublié complètement le gameplay là, j'étais directement dans mes folies. Oh oui, cette map, je voulais la faire. Je voulais la faire sur cette vidéo. Obligé, obligé. Je vous dis, cette map, c'est que du souvenir. Que du souvenir. Des bons scores, des rigolades entre amis sur les glitches en haut du toit. Bon, on va dire que MW3 m'a apporté un peu de, on va dire, d'énervement. Ça, c'est sûr. Elle m'a apporté beaucoup de choses, de l'énervement, mais surtout du bonheur. Oui, je disais qu'elle m'avait fait rager, oui, certes, mais
Les plus grands moments que j'ai eu, les meilleurs avec mes amis, c'est sur NW3, NW2 et Code 4. Après, sur BO2, j'ai pas vraiment eu trop de délire. C'était plus la compétition. Oui, la compétition, j'en fais. Du coup, enfin là, j'en faisais puisque j'ai arrêté. Là, je me teste à des délires, des trucs assez bien sur PC. Du coup, j'ai pas trop le temps pour la compétition. Je vous avouerai que les vidéos, j'en fais de moins en moins. Et j'en ferai de moins en moins. Je vais en faire une par semaine. Pourquoi ça? Ben, parce qu'il faut comprendre qu'au bout d'un moment, les vidéos rapportent pas grand-chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les vidéos, ça m'ennuie pas, mais on va dire que pour ma famille, pour mes amis, pour ma copine, je vais essayer de réduire les vidéos. Pourquoi? Parce que c'est quand même important que je fasse passer d'abord ma vie personnelle avant les vidéos. Du coup, ben, je dois faire moins de vidéos. Même si j'en fais moins, ça veut pas dire que je ferai de moins qualité. Je l'avais dit par rapport à ma vidéo, je disais que j'en faisais deux par semaine. Ben là, je peux pas me faire deux. Mais je vous dirai pas le jour précis parce que je veux pas me faire, on va dire, une vidéo obligatoire ce jour-là. Je le ferai quand ça m'en donnera l'envie. Si je la ferai pas la semaine, ben c'est que je ne peux pas ou que j'en ai pas l'envie. L'envie, normalement, je l'aurai toujours. Par exemple, la semaine prochaine, je ne pourrai pas la faire c'est que la semaine prochaine, je dois. Merde. J'ai oublié. Ben oui, je dois aller chez ma mère. Du coup, ben, je ne peux pas faire de vidéo. Mais ça ne veut pas dire que vous aurez pas peut-être de vidéo la semaine prochaine. Voilà. Par contre, là, ça m'énerve parce que je vais vous le dire pourquoi. Parce que là, je suis pas arrivé normalement. Et en fait, quand j'arrive en vidéo, j'ai une narine qui se bouge. Allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi. Ça m'énerve, ça, franchement, quand ça m'arrive. Mais ça m'arrive pas très fréquemment, heureusement. Mais moi, j'aime pas avoir les narines bouchées, voilà. Ah, par contre, les capteurs d'NW3, ça me rappelle des choses aussi. Des rages, des souvenirs, tout. Ça me rappelle tout parce que. Parce que simplement NW3 c'est ça, de la difficulté à tous les bonheurs. Même si c'est pas toujours du bonheur NW3, mais ça a été beaucoup quand même. Beaucoup. J'espère qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui rejouent NW3 parce que c'était un bon jeu. On se le cache pas. C'était un bon jeu. Bon, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui. Ah! Ça, je me rappelais plus. Oui, je vous avoue que sur Black Ops 2, comme on n'en a plus de ça, j'avais complètement oublié que ça existait sur NW3. Et ces hélicos qui m'emmerdent toujours autant. Ouais. Oui, je l'ai touché. On va à la guerre. Bon, allez, j'arrête de faire le con. Après, qu'est-ce que je pourrais dire après pour ma spéciale 400 abonnés? Ben, merci. Merci d'avoir tous cliqué sur le bouton s'abonner. Merci. Ça fait 400 abonnés, quoi. 400 abonnés. Vous en rencontrez, quoi. Peut-être je suis pas à 1000 abonnés comme mon petit pote Impact Buzz ou Zoxy ou autre. Non, je suis à 400 abonnés. Je sais, ça fait pas beaucoup pour certains, mais pour moi, ça fait assez. Ça fait quand même mon bonheur. Ça fait et ça m'a fait. J'apprécie votre geste à vous être abonné, à vous être abonné. Oui, bien sûr. Bon, je vous dis cette vidéo, ça sera pas trop de l'orthographe parce que là. Je suis vraiment fatigué. Bon, faut savoir que là, je viens de me réveiller. À chaque fois que je fais une vidéo, vous allez me dire, mais tu te réveilles ou quoi?
Eh ben oui, c'est ma passion, me réveiller. Là, il faut savoir que là, il est 8h, un truc comme ça, quand je fais la vidéo. 8h ou un truc comme ça, parce que je sais pas vraiment l'heure où qu'on est. Mais bon, je le saurai bien de ces jours. Bon, allez, je m'améliore là. Allez, on fait comment elle s'appelle? La Moab. Allez, on fait la Moab. Ah! Non, on fait pas la Moab. Allez, on va faire le colis. Bon, je vais arrêter de parler du gameplay. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, merci à tous ceux qui m'ont fait les messages. Normalement, ça sera Mega Julie, Impacty Buzz, QG. Après, il y a qui? Il y a mon petit Xistus. Après, il y a normalement. Il y a du monde, il y a du monde, du lourd et des bons youtubeurs. Peut-être Zoxy, je sais pas, parce que je lui ai pas encore demandé s'il peut m'en faire. Et puis voilà. Après, il faut savoir que les abonnés, ça se gagne pas comme ça. Ça, c'est des êtres humains, donc c'est dur à s'apercevoir quand on n'est pas youtubeur que 400 abonnés, c'est énorme. Par exemple, 400 abonnés pour moi. Je vais vous dire le nombre que c'est si je compte. Bah, on va dire que ça fait. Non, on va dire la moitié des élèves qu'il y a dans mon collège-lycée. Alors, vous allez vous demander, mais combien il y en a? On va dire qu'il y en a 1200. Ouais. Ça fait pas la moitié, ça fait un tiers. Voilà. Si je compte bien, ça fait un tiers. Mais ça fait déjà énorme. Parce que pour les classes qui sont à 20, vous mettez x10 votre classe ou un truc comme ça. Eh bien, vous comptez, mais ça fait énorme le nombre de gars qui puissent regarder mes vidéos. Mais bon, c'est vrai que moi je m'impose plutôt les 1000 abonnés, les 10 000 abonnés, les trucs qui s'attendent le plus, les 500 abonnés. Bon, c'est vrai, je suis pas très loin des 500 abonnés si je continue dans ma direction. Ma direction. Oui, bon, je sais pas chanter. J'ai pas chanté ça. Du coup, voilà. Et vous allez voir que les messages que j'ai reçus pour l'instant sont très beaux. Si j'ai pas trop le temps de faire le montage, normalement, je ferai le montage des vidéos d'abord. Et les messages ensuite, parce que pour l'instant, j'ai reçu que deux messages, comme je vous l'ai dit. Xistus est en train d'en faire puisque j'étais en discussion juste avant ma vidéo là. Du coup, je l'attends. J'attends le message. Mais impatiemment parce que j'adore voir ce qu'ils m'ont dit. Celui qui m'a le plus touché, enfin, les deux qui m'ont le plus touché pour l'instant, c'est les deux que j'ai reçus. Celui de Mega Julie, il m'a vraiment touché. Et encore celui d'Impacty Buzz, encore plus. Parce que ce gars, je le connais depuis pratiquement son début sur YouTube ou un truc comme ça, je sais plus. Mais on se connaît d'assez longtemps. Puisque à l'époque, quand je l'ai connu, il avait même pas de chaîne YouTube. Je crois que je l'avais connu sur NW3, pas sûr. Mais par contre, je l'ai connu, mais je sais pas en fait comment je l'ai connu. Parce que je veux vous dire, en fait, c'est que je l'avais dans mes amis, mais je savais pas qui c'était. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des amis sur. Comment ça s'appelle? Sur Skype et je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais pas qui c'est. Et parce que en fait j'ai joué tellement de jeux sur W3 que on va dire que même les abonnés, c'est pas autant que j'ai rencontré sur tout Call of Duty. Sur tout Call of Duty, je dois avoir rencontré 10 000 gens. 10 000 gens, que ce soit gars assez mature, gars assez grand. Mon cousin, même, que j'ai rencontré sur le multi, parce que lui, c'est gros geek. Sur NW3, il faisait partie des gars les plus forts. Un des gars les plus forts à l'RED sur NW3. Ça fait quand même un truc, parce que NW3, c'était quand même dur en RED. Une balle, c'est bon, c'était mort. Moi, c'est pas trop mon truc, la RED, je vous l'avoue. C'est un truc que je déteste. Ah oui, c'est vrai, sur la domination, il y a plus de 2 matchs. Je m'en rappelais plus. De tête, c'est dur de se rappeler ça. Bon,
Mais on va se retrouver sur le zombie sûrement. Sûrement je dirais hello les gamers, c'est Yonix parce que ouais, j'ai l'habitude de dire ça au début de vidéo. Voilà. Bon, ben à tout à l'heure. Ben à tout à l'heure. Bisous. Là, je sais pas. Bon, ben à tout à l'heure et j'espère que vous allez bien l'aimer. Allez, au revoir. Re tout le monde pour ma spéciale 400 abonnés sur BO2. Non, BO2. BO1 zombie sur la map. Je sais pas, je sais pas. Sérieusement, je sais pas du tout. On va faire sûrement du Kino Der Toten, allez. Je sais, j'aurais pu faire du 5 et tout ça, mais il y a moins de joueurs et ma spéciale 400 abonnés, je vous l'avouerai. Je préférerais qu'elle dure assez longtemps. Normalement, j'ai compté dans les 1 heure. Je vous l'ai dit peut-être tout à l'heure. 1 heure, oui, je sais, c'est énorme à rencontrer dans votre tête. C'est énorme, ça prend beaucoup de temps. Mais je vous dis, ça en vaut la peine parce que 400 abonnés, ça se fait pas tous les jours. Bon, vous allez me dire, mais c'est rien, 400 abonnés, tu peux arriver bien plus loin, surtout pour ta chance et tout ça. Non. Je vous dis, YouTube, c'est pas aussi facile. On sait même pas ce qui va se passer dans le futur. Je sais même pas comment ça va se passer. Et ça, je vous l'avoue. Pour vous dire, même hier, je me disais, une vidéo par, on va dire par semaine, c'était trop long à attendre chaque semaine ma vidéo. Du coup, j'étais même à penser d'arrêter ma chaîne YouTube. Mais tout le monde m'a dit non, 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 fais pas cette erreur, tu restes sur YouTube, c'est le meilleur truc à faire. Pourquoi? Pourquoi tu arrêterais ta chaîne YouTube et que t'as été déjà si loin? Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a? Un problème lui. Non? Ouais, désolé, je l'ai buté avant toi. Ah, c'est marrant, hein? C'est marrant, hein? Écoute, tu m'aimes. Oh, tu aimes les zombies, hein? Oh, mon pauvre. Oh, il part là-bas. Oh, désolé. Je t'ai piqué des zombies. J'adore ça. Attends, je vais tirer. Je vais tirer. Je vais tirer. Ah, t'as ta jambe, putain de zombie. Allez. Trollé, trollé. Allez. En premier, le premier fragment. Et pour ceux que ça intéresse, cette pierre fait. Normalement, il y en a une dans la cuisine, tout ça. Enfin, vous devez le savoir quand même. Ce secret, les vieux, comme je sais pas quoi. Ce que vous foutez, c'est que si vous voulez retrouver la musique qui est pas mal, je vous l'avoue, même si c'est du punk ou un truc comme ça, je vous dis. Allez sur YouTube, tapez, je crois c'est, je sais pas, 500, 400, comme ça, enfin un numéro. Je crois que c'est 400, je crois. Ou 500, je sais pas, un truc comme ça. La musique, c'est vraiment spécial, le nom, parce que 400, c'est ça, j'avais jamais entendu le chanson s'appelait pareil, comme ça. Alors du coup, ben... Ben, si vous voulez la retrouver, ben, j'essayerai de vous retrouver la musique, pas sûr, parce que là j'ai pas vraiment le temps et je dois normalement sur ma vidéo. Pour tous ceux qui m'ont fait les messages, je dois demander s'ils ont une chaîne YouTube. En fait, normalement la majorité oui. Alors du coup, il faudra que je mette leur chaîne YouTube. Il faudra que je mette des musiques sur ma vidéo. Du coup, ben, ça va faire pas mal de trucs à faire. Je vous avoue que c'est peut-être pas dur à préparer pour vous, puisque vous n'êtes pas youtubeur. Mais je suis sûr que être youtubeur, ça impose pas mal de trucs, surtout la recherche et faire les vidéos, quoi. Ouais, c'est sûr que si vous faites pas les vidéos et que vous êtes youtubeur, c'est vraiment idiot. Ouais. Alors, faut voir des fois, tu sais, s'ils ont ouvert là-bas en haut, parce que des fois, c'est des tarés, eux, ils ouvrent à la première manche, des fois. Moi, j'ouvre normalement à la cinquième manche. Voilà.
que des bons souvenirs sur ce BO1 zombie, que ça soit sur cette map, parce que cette map ça a été bon, on va dire mes zombies, à part bien sûr sur World at War, sur World at War, sur ce jeu j'ai rencontré mon meilleur ami VRL, Xavier, on l'a pas mal joué, Xavier et moi, sur ce jeu, je vous l'avoue. On est resté pendant des heures à galérer dans cette même map. On allait là-bas, ici, pour se cacher, pour camper, quoi. Parce que je savais pas trop jouer aux zombies à l'époque, parce que sur le premier zombie qui a existé sur World at War, j'y jouais pas tant que ça, du coup. Ben, quand j'y jouais, ben, c'est que j'étais un amateur. Et puis voilà. Mais maintenant ça va mieux sur les zombies, je m'y connais un peu plus. J'ai des amis haut placés qui jouent aux zombies compétitifs. Enfin, je savais même pas que c'était une compétition le zombie. Mais ils m'avaient dit que oui. Il y avait quelques tournois même qui étaient entrepris. Mais je suis pas sûr moi à 100%, parce que moi je gobe tout ce qu'on me dit à part sauter par la fenêtre. Allez, saute par la fenêtre, c'est gentil. Allez, vas-y, saute. Tu vas rien avoir. Non, non, rien du tout. Allez, ouvre. Oui, moi je suis un gros salaud sur ce jeu. Je vous le dis. J'ai jamais été sympathique sur ce jeu. Que ça soit pour le zombie, pour quoi que ce soit, j'ai jamais ouvert une porte, même jusqu'à qu'il soit mort. Je suis un gros salaud. Un gros sadique. Je vous l'avoue. Mais bon, c'est un jeu fait pour ça. Même s'il est très difficile parfois. Ah! Putain de zombie de. Non, je vais pas dire. En vidéo, c'est pas gentil. C'est un gros mot. On a toujours dit les gros mots, ne jamais les dire. Non, mais sérieux. Là, qu'est-ce qu'il y a du zombie? Quoi? J'étais même pas rouge. J'étais même pas rouge. Je vous jure, on meurt là. Eh, mais il est sérieux, lui? Mais il est sérieux? Il est sérieux? Ils sont sérieux, les gars? Ils sont sérieux? Bon, c'est vrai, j'ai un peu fait le con, mais quoi? Ils sont sérieux? Bon, bah on va faire un petit 5. Allez, un petit 5. Ça nous repose un tout petit peu. Mais putain, quoi. Faut le faire, quoi. Mourir dans la manche 5, quoi. Moi, c'est parce que j'étais au petit gun, quoi. Oh là 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 là. Ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Bon, allez. On arrête de faire les. Ah, elle est belle cette boîte. J'y passe, mais là, Black Ops 2, la boîte, elle est pas mal. On dirait un beau jeu. Qui a une collection de merde. Voilà. Bon, mais pour une fois, j'ai jamais eu de mal normalement à rejoindre une partie de 5. Parce que normalement, 5, c'est la map la plus jouée et la mieux représentée. Mais bon, j'aime pas trop le. Comment on appelle ça là, le zombie là, un peu dingue qui nous pique les armes. Je m'en rappelle pas. Vraiment désolé. Bon, c'est vrai que je suis un peu, on va dire, endormi. Et surtout que là, je me dépêche un peu pour faire les vidéos. Pourquoi ça? Parce que, en fait, là, cet après-midi, je dois aller au coiffeur. Je dois aller voir mes nièces. Je dois faire pas mal de trucs. Dans le plot aussi de la vidéo ce soir. Mais en fait non, le montage va se faire cet après, non, même pas ce midi, vers ce midi, un truc comme ça. Et après je ferai la vidéo. Ouais bon, c'est pas grave, il faut que j'aille m'en recoucher, je vous le dirai après. Et peut-être sur ma chaîne, dès que je serai arrivé à 5000 abonnés ou un truc comme ça, j'essayerai de vous faire, on va dire, des vidéos assez fun,
Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'essayerai de vous faire des vidéos un certain ordre. Alors toi, tu vas pas faire le bug. Je suis un enfoiré. Non mais sérieux, moi, que je vais le laisser faire son bug parce que je connais les gens, ils vont péter un câble, ils vont acheter. Je les connais. Moi, c'était pareil à l'époque que je voulais faire le bug. C'est pas très sympathique. C'est pas du tout sympathique quand les gens veulent faire un bug. Il faut les laisser faire. Allez, meurs. Ah là 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 là, qui va avoir la place? C'est moi, moi, moi. Moi, à l'époque. Ah putain, à l'époque, pourquoi je dis toujours à l'époque? Avant, on se mettait là. Moi, je me mettais là, ouais, ici, là. Et quand l'autre il volait. Oh, ça c'était le bug avec Sosa. Oh, que c'était bien. Je vous dis, les soirées comme ça qui passent à 4 ou 5 heures du soir, ça me manque. Ça me manque, ça m'a toujours manqué. C'était des bonnes soirées entre potes. Même si mon père il gueulait. Oui, je vous l'a. Il me gueulait parce que j'arrêtais pas de crier. Parce que moi, comment dire, quand je m'entends pas ma voix, m'entends pas parler, mais je gueule. Ça m'arrive très souvent et normalement ça devrait arriver à pratiquement tout le monde, sauf les personnes qui ils arrivent à le faire. Qu'est-ce qu'il a lu? New York, Hong Kong. Hanoi? T'es Hanoi toi? Parce que le gars de ses quêtes là, ici là, il aime pas les Hanois. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme pays la loi. Eh hey, mais oh, il laisse rentrer quoi, c'est con. Bon allez, j'arrête de parler, blablabla, blablabla. Je vous avoue aussi que je sais pas qu'est-ce que j'ai avec eux, je vous l'avoue. Mais ce matin, j'ai pété un câble avec ma télé. Xistus pourra vous le dire peut-être en commentaire. J'ai pété un câble avec ma télé parce qu'elle voulait pas s'allumer. Alors, tu sais, enfin, vous savez que c'est chiant quand on veut faire une vidéo que la télé s'allume pas. Alors, comment vous faites? Vous jouez sa voix. Ouais, logique. J'ai un pote qui fait comme ça, lui. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme maladie, mais en tout cas, c'est une grosse maladie. Je parle de Rémi. Rémi, il va me tuer. Il va me haïr. Non, non. Ça a toujours été un gros pote, il risque de peut-être disjoncter dans la vidéo, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est toujours l'humour qui le remporte chez moi. J'aime bien faire l'humour. Même si on m'a dit que je faisais que des blagues de merde. C'est parce qu'ils connaissent pas mon humour. Mon humour est propre et joli. Ouais, c'était quoi ce cri, vous allez vous dire. Mais c'est une belle chanson. Tout ça parle de chansons. Et ces enfoirés bloquent. Bon, allez, j'arrête de faire l'idiot. On se concentre. On tire une grenade vers là. J'utilisais toujours ça que j'étais là. Bon, il faut que j'arrête de me mettre à mon époque. Elle était jolie, bon, l'époque toute blanche. Toutes tes jeux, avec des arbres partout, des métiers, de l'argent qui coule à flot, le jeu. Ça serait comme ça serait le pays des anges de la télé-réalité. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais allô, quoi? T'as pas de fille, t'es pas de cheveux. Alors là, moi je suis même pas. Moi je suis comme ça, moi j'arrête pas de faire des blagues de ouf, de merde. Bon alors, il vient lui. Allez, on largue toutes les grenades. Ta ta la ta 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 ta. Quand je vous aime.
Quand je vous aime. C'est des enfoirés, tu vois. Dès que je rentre. Boum. Merde. Eh ben c'est ça. C'est ça qui m'arrivait souvent avec ces... Putain. Allez, vous pouviez pas? Eh ben, je vous emmerde. Mais je m'en fous, tu payes, tu payes, tu payes. Voilà, tu payes. Voilà, voilà. Tu vois, t'es gentil, tu peux être très gentil. Enfoiré. Ce qu'on va faire, on va. Toi, ta gueule. Ok, ok, ok. Voilà. Bon, mais je dis merci à tous les abonnés qui vont regarder cette spéciale abonné. J'espère que ça va vous faire plaisir, tout ce zombie, tout cette... peut-être je fais un peu le fifou, un peu l'idiot. C'est fait pour ça en vidéo. Et voilà, j'ai deux armes assez bien. On va commencer la vidéo assez bien. J'espère qu'elle va durer assez longtemps pour vous. Mais bon, je vous dirai jamais assez dans une vidéo que merci quand même. Je pourrai jamais vous donner ce que vous recherchez, peut-être l'argent, les jeux vidéo, les concours. Je suis pas trop concours, moi, j'ai pas trop d'argent. Je vous l'avoue, pardon pour le petit thème prévu. Parce que là, j'ai le ventre vide. Mais quand je vous dis vide, c'est vide. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le panneau? J'ai jamais pu voir ce qu'il y avait marqué sur le panneau. Il paraît que quand vous voyez tous les messages inscrits, vous avez une petite pièce avec un petit mot de passe. En fait, c'est une devinette. Et il y a un mot à deviner. Je sais pas, mais en plus, c'est tout à l'anglais. Alors, qu'est-ce que vous voulez trouver comme mot de passe, hein? Il faut savoir parler anglais pour faire le petit mot de passe. Ah, c'est bien, j'ai des munitions de nouveau. Allez, on va faire les sympathiques. Par contre, j'aime pas aller là-bas, là. Ah, ça, c'est un coin où j'allais pas trop sur 5. Je disais à mes potes, allez-y. Allez-y, c'est vraiment pardonné si vous voulez y aller. C'est vraiment de bon cœur. Allez. Allez-y, mourrez. Et puis moi je reste cool là-haut. Voilà. Parce qu'à bas là, quand vous y allez, vous avez les petits golems qui arrivent. Et vous avez les. Pff, vous avez trop de trucs. Qui arrivent en bas. Surtout des meurs à flot. Voilà. Alors, normalement, si je me rappelle bien, c'est. C'est où? Non, c'est pas ici, c'est ici. Voilà, c'est ici. Normalement, voilà, vous savez ça. Il faut pas aller là-bas. Voilà, c'est celui-là qu'il faut aller. Ah merde, oui, c'est vrai qu'il faut attendre un petit temps de réadaptation pour qu'on soit téléporté au même endroit, enfin, un bon endroit. Quoi. Ça, c'est quoi? Aucun énergie, ça doit être je sais plus quoi. En tout cas, j'ai pas envie de le prendre. Il y a un zombie qui venait juste me rejoindre. Il m'a adoré, le zombie. Bon, allez, on arrête de faire les idiots. On commence à survivre. Alors, celui-là, c'est pas besoin. Celui-là, j'ai besoin. Allez, ouf. Ça fait du bien. Un petit vert rouge, là, comme dit les pépés. C'est bon, un petit vert rouge, trop tranquille entre amis. Pépère et tout. Ouais, c'est ça va. Je fais une vidéo alors. Bon, voilà. Ah là là, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Ça c'est beau de se faire frapper derrière le dos. T'as pas honte? T'as pas honte? Là. Non? J'ai pas assez d'argent. Enfoiré. Normalement. C'est vraiment chaud ce jeu. Hop. 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 Je vais abréger leur souffrance. Putain, c'est dur, c'est dur, c'est dur.
Je l'avoue, moi, quand je jouais à ce jeu, c'était quand même vraiment dur. C'était vraiment dur, que ce soit à cette époque ou à l'autre. Par contre, là, je suis vraiment dans la merde, dans la mouise, la plus complète. J'ai plus d'armes. Il y en a une au fond du couloir. Je peux la prendre. Coucou le zombie. Alors, je sais pas où il y a la boîte. Non, elle est pas là. Normalement, je peux l'avoir de quelque part. Ici, elle n'y est pas. Je sais pas par où elle pourrait être. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je l'aie. Du coup. Ah ouais, peut-être qu'il fallait pas le tuer. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas pensé aux conséquences qui pouvaient arriver. Ah là, voilà. Ah merde, c'est vrai, il me faut 950, il faut un petit zombie, ouais, des portes, ouais, surtout des portes. Là, et j'espère avoir le pistolet laser, le pistolet laser! Mon copain, le pistolet laser, qui est tout joli, tout blanc et joli. Et je sais toujours pas chanter. Et j'ai un canon qui me servira. Yeah. Voilà, ben, pique-moi vos larmes, je te dis rien, rien. Putain de cadavre de merde. Il m'a piqué mon arme et que j'allais l'avoir toute neuve. Tu m'as piqué mon cadeau, enfoiré. Allez, meurs. 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 Meurs, putain de singe sanglant, tout bizarre, tout crasseux. Tu m'as piqué mon arme. Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça? Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça, lui? Mon gars, le cinglé, quoi. Il m'a piqué de ses sprints, là. J'ai même pas vu arriver, quoi. Allez, meurs! Meurs! Là, tu sais, c'est là. D'un coup, pff, il éclate. Merde, merde, merde. Je sais pas où il est, le quatrième, alors. Non, 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 je le suis pas parce qu'à chaque fois. Ah, c'est bon, on l'a buté. Alors, c'est. Je sais pas si on l'a buté ou. Je sais pas en fait ce qui se passe là. Ah oui, en fait, j'ai perdu mon arme et je peux pas la récupérer. C'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, c'est plus ça. C'est plus ça ce jeu. C'est trop gentil. J'adore ce jeu. Bisous. Et eux, en plus, tu sais, on les voit arriver, mais on sait pas d'où ils viennent. Tu vois? C'est trop bizarre, c'est what the fuck quoi. C'est trop what the fuck. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, là, il faut que je me demande un truc. C'est que si je reste là, est-ce qu'il n'y a pas des zombies qui vont arriver de tous les côtés? Parce qu'à chaque fois, ça m'arrive sur ce what the fuck jeu. Et après, je me fais entourer. Je peux plus me déplacer. Du coup, je me demande si c'est une bonne idée de rester en bas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Mais je sais pas, on va faire une petite boîte peut-être. Parce que là, j'ai qu'une what the fuck arme qui est toute pourrie. Du coup, on va prendre la FAMAS. Oui. Bon. On va se passer de votre compagnie. Allez. Putain de what the fuck arme. Allez, je vais aller sauver l'autre. Où il est mon ami? Allez, t'es là. Ah, je te sauve. Je te mets la piqûre au cul. Non. Ouf. La piqûre au cul a été mise. C'est tout joli, c'est tout beau. Y'a qu'un siège à prendre. Et je ne sais pas lequel choisir. Je sais pas quelle c'est musique, mais bon, c'est une jolie musique. Une très jolie musique. Qui va mourir dans pas longtemps? Je sais faire même les couplets. Putain de putain transporteur. Ouh.
Oh là, les bourrières, putain. C'est merdique, quoi, ce jeu, c'est dur. Je sais pas. J'allais mourir, quoi. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Oh là là, quoi. J'espère que c'est la fête de la bâche parce que là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je sais pas. Je sais pas ce que je peux faire parce que tout à l'heure que j'ai voulu rester en bas, j'ai failli me faire attraper par les zombies. Donc, je sais pas. Bon, mais on va essayer de rester. Écoutez. Niveau de courant critique. Qu'est-ce qu'il a? Au système hors C'est le ligne. gars. Oh, ah, merde! Quand je serai T'as peur présent, de ça? je commencerai par C'est tout petit. allumer la lumière. Même problème, ce gars. Faudra le dire à l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, le gars? Il est devenu complètement barge, ce gars. Ah oui, vous voulez le. Comment on appelle ça? Oh, c'est pas. Allez, on va faire les alertes. Hein. Malibu. Delphcon 2. Allez, Delphcon, je sais pas quoi, 3. Ah, il est là-bas le Delphcon 5, je sais pas quoi. Bon, on va le mettre, hein. Écoutez, il est tout joli, tout beau. Je suis connu, je mérite une remise. Attendez un peu, je suis connu, je mérite une remise. Allez, on va y aller. Je suis connu. Youpi! Je suis vraiment fou. Il faut vraiment que j'aille me faire soigner quelque part, mais bon. Je crois que normalement ils peuvent pas rentrer par là. Il y avait quelqu'un avec moi. Ah merde, il y a des zombies qui rentrent. Ah! À l'aide! Putain! Les zombies! Putain, j'ai vu tout ça! Putain! Putain! Je suis bloqué! Je suis Kevlo! Je suis Kevlo! Ah! 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 Ah, les zombies, ils arrivaient de tous les côtés. Ils arrivaient de tous les côtés. Je savais pas quoi faire. Ah putain, c'était trop de la balle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Regardez bien le message qu'il y a. S'il y a un youtubeur qui vous plaît, ben, abonnez-vous à sa chaîne. N'hésitez pas. Bon, mais à la prochaine, tout le monde. Yo mec, bah écoute, je te félicite pour tes 400 abonnés. Moi j'ai eu beaucoup de mal à atteindre autant d'abonnés, mais après c'est vrai que ça va un petit peu mieux. Donc j'espère pour toi que ça continuera comme ça. Tu fais de très bonnes vidéos et continue dans ta lignée et voilà, t'arrêtes pas. Allez, ciao mec. Voilà, donc c'est méga joli. Je voulais juste dire un truc à propos de Yonix, hein. Alors il a 400 abonnés et sincèrement, c'est déjà pas mal, je te. Voilà, continue sincèrement. Belle vidéo et tout. Tu pourras vraiment aller loin, donc continue, poursuis en fait. Et sincèrement, 400 abonnés, c'est pas mal, je pense. Tu peux arriver loin, sincèrement, loin. Donc voilà, sincèrement, moi je suis déjà abonné à ta chaîne et voilà, quoi. Faut vraiment que tu continues parce que tu fais des très belles vidéos. Et voilà. Donc voilà. Et coucou tout le monde, c'est ExistUS3, donc vous me connaissez sûrement pas, mais bon. Je suis un collègue youtubeur de Yonix et je suis dans sa vidéo 400 abonnés. Pourquoi? Pour lui dire quelques mots, pour le féliciter d'avoir atteint ses 400 abonnés. Donc je suis en ce moment même sur sa page YouTube, il vient d'atteindre ses 408 abonnés, donc franchement, je te félicite Yonix, c'est vraiment mérité. Tu as vraiment mérité tous tes abonnés. Tu as fait en tout 77 vidéos, donc c'est vraiment énorme. Tu es un youtubeur très actif, hein, que je suis le plus. Tu fais divers jeux quand même. J'aime vraiment, vraiment tout ce que tu fais. Et n'écoute pas si tu as eu des rages déjà qui t'ont dit ouais, Yonix,
T'es un boost, je suis même pas un boost, je veux dire, tu te mérites pas, t'as trop d'abonnés. T'as trop d'abonnés, mais tu te mérites même pas. Alors que si, franchement, moi je trouve que tu te mérites largement. Donc je te félicite vraiment pour tout. Tu fais de bons petits logos et tout. Ta chaîne elle est magnifique. Donc c'est tout ce que j'avais à te dire. Que je te félicite. Et je te dis à une prochaine. Allez, ciao, Yonix. Salut Yonix, c'est Rémi. Je te passe un petit message pour te souhaiter toutes mes félicitations pour tes 400 abonnés. C'est déjà un super palier, 400. Tu te rends compte ou pas? Je t'ai vu démarrer, grandir. Et ça fait déjà presque 2 ans que je te connais. T'es un super mec. Continue comme ça, gros. Et tu cesseras d'évoluer sur YouTube. Franchement. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao, mon pote. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est un grand jour car Yonix a dépassé la barre des 400 abonnés sur sa chaîne. Tout ce qu'il y a à dire, c'est je te félicite énormément. Dans les moments difficiles, t'as su gérer. Et toi, t'as toujours été là. Et tu m'as même poussé à faire une chaîne. Alors je te félicite à toi. Tu es 400 abonnés, c'est bien. Donc moi je fais mes remerciements à Yonix qui m'a soutenu pour ma chaîne, etc. Et je le félicite énormément pour ses 400 abonnés. Et la question que je me pose, c'est à quand une vidéo duo? Ça me ferait énormément plaisir. Allez, continue comme ça. À plus. Yop le monde, c'est Caroline. Alors pour la plupart d'entre vous, vous ne devez pas me connaître. Normalement, bah en fait, je suis une amie à Yonix. Et justement, bah, je viens lui adresser un petit message pour ses 400 abonnés. Bah déjà, bah, GG. Félicitations pour tes 400 abonnés. Franchement, bah, tu les mérites. Tu fais de bonnes vidéos. Je pense que le nombre d'abonnés va continuer d'augmenter parce que bah, tu as tout pour réussir sur YouTube. Tu commandes bien. Tu fais de bonnes vidéos, franchement, GG. Continue comme ça, continue à faire du bon travail et puis à bientôt. Yo mon pote, je viens de me lever et je vois quoi? T'as dépassé les 400 abonnés mon gros, je suis vraiment hyper content pour toi. Donc c'est vrai qu'on se connaît depuis un petit moment maintenant et je suis tes vidéos depuis un bon moment. Enfin, j'ai remarqué que tu t'es vraiment amélioré dans tes commentaires et je passe vraiment de très très bons moments à regarder tes vidéos, hein, je m'éclate franchement. J'espère que tu continueras sans rien lâcher et que tu auras 20 000 fois plus d'abonnés car tu les mérites largement. Donc voilà, je te souhaite une bonne continuation et je continuerai à te suivre de toute façon. J'espère qu'on continuera à passer de très très bons moments ensemble. Et je te dis ciao, ciao gros et nice pour tes 400 abos. Salut à tous et à toutes, c'est Suprématie. Alors, salut à toi Yonix, hein. J'aimerais te remercier et puis surtout te féliciter pour tes 400 abonnés. T'es un mec super, hein. Franchement, tu fais beaucoup de. Tu travailles beaucoup. On peut toujours compter sur toi, hein. T'es un mec cool, hein. J'espère que tu vas avancer sur YouTube, bah, que tu pourras continuer et que tu iras loin. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. T'es un mec qu'on peut suivre et qu'on peut parler. On est souvent en communication sociale, on se tape des bords de temps en temps, des bons délires. Et ça, c'est super, j'aimerais te remercier. Donc je te remercie et puis encore félicitations pour tes 400. Je te dis bonne continuation, bonne route sur YouTube. Ciao, ciao Yonix, c'était Suprématie. Ciao mec. Et salut à tous les amis, donc c'est B2X et aujourd'hui je tiens à passer un petit message donc pour Yonix. Donc déjà je le félicite pour ses 409 abonnés, donc GG à lui pour ses 400 abonnés. Donc moi ce que j'aimerais bien c'est pour sa chaîne c'est qu'il continue un peu à faire du zombie, donc comme dans sa dernière vidéo il a fait un Call of the Dead, donc il continue un peu cette série aussi, qu'il continue à faire du DayZ parce que c'est un jeu qui est pas trop mal mais qui est pas beaucoup demandé. Donc sur ce, je vous dis salut salut.